Eh bien, bonjour dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre les Côtes d'Armor. Première étape pour Mont-Saint-Michel. Et pour l'instant, on s'est fait un petit pique-nique. On s'est arrêté à Saint-Aubin-du-Cormier, bord d'un étang. Et tout devrait bien se passer pour le moment. Bon, je vais manger, on se retrouve après. Donc là, on a repris la route direction le Mont-Saint-Michel, frérot. C'est la grosse passion. Il nous reste à peu près combien de temps? 40 minutes de route par l'autoroute qui est gratuite en Bretagne, attention, c'est bon. Là on est arrivé dans la campagne normande. C'est magnifique. On est à 14 bornes du Mont-Saint-Michel. Ouais, je l'ai vu de loin tout à l'heure mais je pense qu'on va pas tarder à l'apercevoir quand même, parce qu'on voit d'assez loin ce qui paraît. Là le Mont-Saint-Michel est juste devant nous. Je vais pas voir, forcément ça fait focus sur une saleté. Bon, il est juste en face mais caché derrière les arbres. Un peu de monde hein. Arrivé dans un hôtel et fin de la grosse passion, pas du tout. On s'est fait un peu couiller sur l'annonce. On doit avoir une belle déco dans la chambre et tout. Bon, finalement, on est mis télé. Le lit, c'est pareil avec ma copine. On a une vue sur un Gémeau. Un Conforama, un boulanger, c'est aussi la vue. Là-bas, il y a le Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Et nous venons de prendre le petit déjeuner sur, je crois, une des plus belles vues. Je vais pas en contre-jour que j'ai pu voir, je crois, depuis qu'on est arrivé. Voilà, le Mont-Saint-Michel là-bas. Il est au moins 5-6 km. Hein. Donc, c'est la grosse passion. Là, on va prendre la route pour aller en Bretagne. Et on a encore 2h08. Puis après, on installera le camping et ce sera la bonne grosse passion, les vacances pourront commencer. Et bah, ce qu'on avait espéré de arriver à. Attends, on l'a refait. Le mec s'est même plus parlé. Ce qu'on avait espéré est arrivé. Nous avons 25 minutes de bouchon en arrivant. On est où là? Dinan. Et bah, c'est beau. Hein, c'est. Voilà, génial. Du coup, bah, c'est la grosse kiffance et puis j'aime pas les bouchons. Nous arrivons dans les Côtes d'Armor, après 25 ans de bouchons, c'est beau. Nous arrivons enfin, après 2 bonnes heures de route. Vous avez pu le voir. Voilà. Je pense qu'on a toujours pas vu la mer. Bon bah on arrive au camping. Par contre les rues elles sont étroites comme tout. C'est magnifique. Et le camping il est où? Non, bah non. Bah non. Beau, wesh. Ah ok.
Bon, du coup, on est bien installé. Vue mer. Ça, c'est notre emplacement. La petite tente. Avec les bouillères qui nous attendent au frais. Non, c'est bien. Bon, aujourd'hui j'ai presque rien filmé parce que j'ai profité à mort. Ce soir c'est petit repas de la passion dans la magnifique, comment on appelle ça, le réchaud électrique. Non, c'est même pas réchaud électrique, c'est à gaz. Mais on mange des pâtes au pesto ce soir. C'est pas parce qu'on est en camping qu'il faut pas manger royal. Et ça c'est la passion. Bon, j'ai dû ranger soudainement la caméra parce que en Bretagne, faut pas oublier que quand il fait beau, 20 minutes après, il peut pleuvoir. Ça va. Et du coup, ça fait du bien. Par contre, il a fait chaud ce matin, même toute la journée, ça rafraîchit. Puis là, je pense qu'on va aller se baigner ou faire un tour ailleurs, on va voir. Puis voilà. Là, ce soir, on est à Lokemo. On a fait tout le tour en gros. Tout au fond là, bon, on va pas voir forcément, mais il y a le camping en face et en plus c'est bizarre, il y avait une grande lumière, cette grande lumière là, en fait on la voyait, c'est coquille Saint-Jacques, je crois que c'est de la Saint-Jacques, je pense que oui, dites-moi si je me trompe, mais le gisement qu'il y a tout jusqu'à là-bas, c'est très beau. Et puis en face, là-bas, il y a le camping, mais il fait beaucoup trop sombre. Mais c'est très joli. Il fait un peu froid, par contre, le soir. Mais ça, ça va. Il n'y a pas trop de vent, donc ça va. Mais c'est... Ouais. Par contre, on a l'impression qu'en fait, il y a 15 minutes de route du camping à ici. Pas du tout. En fait, il faut faire tout un détour par Lannion et compagnie. Et en gros, on a mis 30 minutes à venir. Mais c'est sympa. J'avais bien raison de ce que je disais tout à l'heure avec les Saint-Jacques. On a regardé sur internet avec ma copine. Il y a eu 10 000 tonnes de Saint-Jacques produits dans le port de... En fait, on a Lokemo. Dans le port de Lokemo en 3 ans. C'est énorme. Donc je pense que ça doit être... un port qui produit presque que de ça, je pense, à mon avis, parce que c'est fou. Là, le prix, là, t'en récupères, là. Putain, au prix que ça vaut maintenant. Mais c'est intéressant de ouf. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais l'eau elle est transparente et on n'est pas dans le sud, hein. On est en Bretagne. Hein. Il y a un peu de vent, hier on était tout en face là-bas, à la pointe là. Et là-bas il y a la plage de Trébord. Hein. Et aujourd'hui on a un beau soleil et oh, la vue de zinzin.
Ah, ça fait trop plaisir. C'est beaucoup trop beau. Mais l'eau elle est transparente. Là on a le port de Trébordin juste ici. Le centre qui est là-bas. Le vertige. En plus j'ai aucun appui, c'est génial. Là on est très 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 haut. Là, on a tout le... Et on n'a pas fini de monter parce que... Il reste ça en face là. On est monté tout en haut là-bas. Puis on est tranquillou dans le port. Ducati. Fin de cette troisième journée. J'ai pas refilmé depuis cet après-midi. Là soir, on va voir un feu d'artifice à Plestin-les-Grèves, au bord de la mer. Je ferai des petits plans. Puis voilà les actualités pour aujourd'hui. Puis c'est tout. Faire le sentier des douaniers, le GR34 entre Perros-Guirec et Poulmanac. On était jusqu'au phare. Je suis exténué. Là on rentre au camping, on va manger. Prendre une douche aussi avant. Manger. Puis je sais pas ce qu'on fait ce soir. Je vous ai fait quelques plans un peu jolis. Et voilà. Voilà. C'est beau. Thank you.
mon car spotting en Bretagne. U de 1M. C'est quand même beau. J'ai le vertige de ouf, j'ai même pas pu monter j'ai même pas pu monter au rocher, l'autre rocher. Elle me fait peur. Fait chier ce vertige à la con là. Sinon c'est beau. Et j'ai vu qu'il y avait une espèce d'entrée de porte, on dirait un bunker, faut que j'aille voir. Mais ouais. Il y a un petit bateau là-bas. Nous rentrons. Déjà ça commence très très mal. Nous rentrons tout juste de la pointe du château à Perros-Guirec. Le plan d'avant, je pointe du doigt l'espèce de porte, c'est un bunker, je crois. Je sais pas du tout par contre de quel côté, si c'est des alliés ou des autres. Mais je voulais l'atteindre par un espèce de chemin. Sauf que j'ai pas oublié de prévenir ma copine. Et bah c'est un peu inquiété. Et au final, bah en fait la marée est montée, j'ai même pas pu y accéder. Et ça a glissé. C'est génial. Donc au final, bah j'ai un pantalon sale, un sweat sale et puis des chaussures dégueulasses. Pour rien. C'est beau. Eh bien, nous sommes rentrés de vacances. J'ai pas filmé du tout. Mais du tout, le samedi, j'ai non plus filmé le départ, je suis bien rentré chez moi. Tout ça pour dire que j'ai passé des super vacances. J'ai pas pris le temps de filmer l'installation du campement, on va dire, du campement, la tente, la table et tout. J'ai pas voulu faire comme l'an passé, quand on a été à Pinmar. On a eu le temps de faire quelques trucs en une semaine, on a visité ce qu'on a pu. On a voulu faire l'île de Bréa, mais... Le temps ne le permettait pas. On a eu le temps de faire le GR34 à Perros-Guirec. Alors, entre Ploumanac et Perros-Guirec. Franchement, la côte de granit rose, c'était magnifique. Il n'y a rien à dire. On a visité l'île du Père de Trébardin. Ce qu'on voit le mercredi, quand il fait très beau, que l'eau est bleue, ça c'était sublime aussi. Le camping était bien placé. Vraiment, le camping Gros Armor. Chaleureux accueil, assez calme. Mais j'ai trouvé que le terrain était un peu pentu. C'est ça le seul bémol, sinon la vue était magnifique. T'as l'eau toilette tout en haut, tu voyais la vue sur la mer, sur la Manche, c'était trop beau. C'est tout ce que je voulais dire, je pense, des vacances, en ce petit résumé. On est parti le dimanche à 9h30, le temps de démonter. On avait 3h30 de route jusqu'à où on habite. Le temps de faire les pauses et tout, on a mis 4h. Et franchement, ça s'est bien passé le retour. On n'a eu aucun bouchon, on était même choqué. Mais non, franchement, c'était incroyable à refaire. Sur ce, moi, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. D'autres vidéos vont arriver prochainement. Donc, bientôt, dans un peu plus d'un mois, les 24 heures du Mans Camion, qui vont arriver, bien sûr. Et une dégustation assez insolite, on va dire. On va bien se marrer, je serai pas tout seul. Et normalement, ça va bien se passer. Sur ce, les amis, moi, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, un petit abonnement, ça fera vraiment plaisir. Ça aidera à soutenir la chaîne. Un petit like, puis un petit commentaire si ça vous a plu. Puis nous, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut les amis. I'm gonna go.